She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une débrief, malheureusement, de déception. J'évite de casser ma caméra puisque ça sert à rien. Faut pas s'énerver. C'est fini. Bon, je vous annonce que pour l'Olympique Lyonnais, il n'y aura pas de 5e place, pas de 6e place. C'est terminé. On va rester dans la 8e place. Si ça fait plaisir à certains, ça vous fait plaisir, c'est bien. Je comprends pas. Comment une équipe comme Metz... Mais Metz, ils ont la haine de Lyon. Ça se passe toujours mal avec Metz. Hein. Toujours ça se passe mal. On joue et on joue pas. On joue pas et ils nous rentrent dedans. Ils ont compris la technique, comment nous battre. Voilà. Non, mais c'est énervant. Là, il n'y a rien à dire. Lyon est une équipe nulle. 0-0, nul. Il n'y a rien à dire. Nul. Tellement nul. Lyon est tellement nul cette année que je vais aller me rabattre au rugby. Là. Je vais regarder le rugby toulonnais. C'est même mieux pour moi, pour me calmer, pour passer un week-end un peu 50-50. Parce que là, normalement, là, je suis tellement énervé que je dois péter cette caméra. Parce que là, ça ne sert à rien. Il faut que je la casse, la caméra. C'est mieux. Il faut que je casse la caméra. Peut-être ça va me faire du bien. Mais non, mais là, c'est trop. Ils ne jouent même pas. Il n'y a pas de jeu. On essaye de revenir par chance et tout derrière, on lâche tout, on laisse les joueurs tirer, normal. Il faut dire la vérité, Metz, là, c'est les meilleurs. On perd contre le dernier du championnat, le dernier toss, le dernier zéro, le plus nul du championnat. Et vous voulez me dire que Lyon, ils sont bons? Non, là, on est nul, il n'y a rien à dire, nul. Défensivement, nul. Il y a tout qui est nul. C'est un match, c'est même pas la peine. C'est trop. Limite, on joue contre des plots. Tu mets des plots. Même les plots, ils sont plus forts que nous. Hein. Les plots, ils bougent pas, mais ils sont plus forts que les Lyonnais. Non, mais c'est énervant. Là, c'est trop. Non, mais arrêtez. Non, mais là, je me calme. Ça sert à rien. Je suis énervé. C'est mauvais. Bon, il vaut mieux que je me calme. Ça sert à rien. Là, c'est le match le plus nul. Maintenant, on sait que Lyon va devoir peut-être garder des joueurs, mais certains vont vouloir partir. Mais partez tous. On arrête l'équipe de Lyon, c'est mieux. On arrête l'équipe de Lyon. On fait plus d'équipe à Lyon. Laissez Paris, Marseille, tout ça. Lyon, il ne devrait même plus exister. Ça ne sert à rien. Si vous ne voulez pas jouer, il ne joue pas. Mais vous avez des pieds. Je ne sais pas, vous avez des jambes. C'est fait pour courir, pour être à fond. C'est pas fait pour faire que des passes, jouer tout doucement. Vous n'êtes pas en Ligue 2, vous n'êtes pas en National, vous n'êtes même pas en 3e division. Vous êtes dans le championnat de France. Donc, vous avez le talent pour gagner ce type de match. Et vous êtes là, vous jouez comme si c'était... Non, mais c'est trop. Contre des plots, les derniers du championnat. Non, c'est bon, j'arrête la vidéo, c'est bon, je parle plus, on est nul, c'est même plus la peine que je fais des vidéos de Lyon, parce que cette année, c'est même pas la peine. C'est fini, c'était la dernière vidéo de Lyon que j'ai fait. Maintenant, le championnat est fini, les derniers matchs, ils vont les faire, ils gagnent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je veux regarder, mais c'est même plus la peine, ça sert à rien. C'est fini le championnat, il n'y aura pas d'Europa League, il n'y aura pas de Ligue des Champions, encore pire, rien du tout, il va falloir juste essayer de conserver les joueurs pour pas qu'ils partent, mais... Les joueurs comme Boateng, tous les joueurs qui a les bons joueurs de Lyon vont devoir partir. On va mettre une équipe 2, mettez une équipe amateur et puis voilà, c'est mieux. Et on descend en Ligue 2, je pense que c'est mieux. Non mais j'arrête parce que là je parle trop, ça m'énerve, c'est bon.